Moi, on va parler un peu côté carrière. Tu as fait pas mal de radio dernièrement. Là, t'en es où? Là? Qu'est-ce que tu fais? Présentement, je travaille à la mise en scène du spectacle de Marie-Hélène Thibault. OK. On a presque fini. Là, elle va présenter son premier show bientôt. Après ça, je travaille sur le livre de ma mère qui a été prisonnière dans les camps de travail en Allemagne. Ah. Après ça, ça va sortir probablement à l'automne. OK. Puis tout de suite, quand j'ai fini ça, là, que je livre la première version du livre, je commence à écrire le spectacle pour sortie rodage 2011. Avec la même équipe que tu avais pour les autres spectacles aussi? Oui. On n'a pas commencé encore. Là, j'ai ma ligne de conduite pour le spectacle. Moi, je vais en écrire beaucoup avant de déplacer les gens. Là. Oui. Je vais écrire le plus que je peux parce que tu vois, sur mes deux spectacles, j'en ai écrit entre 70 et 75 %. Mm-hmm. Fait que ce que je fais, c'est que je monte le show complet. Je monte tout mon pâté, puis après, je le monte à des humoristes, puis on fait du brainstorm pour qu'ils me guident dans d'autres avenues que j'ai pensées, tu sais. Mais ma ligne de conduite de show, je l'ai. Que tu vas aussi sur les sentiers fédérés? Oui. Oui. Des fois, on part 4-5 motos, puis on va dîner ou déjeuner ailleurs. Là, oui. Ça, j'adore ça. Tu as des passes d'une journée dans ce temps-là? Oui, des fois, j'ai une journée parce que comme je viens pas souvent à la campagne, ça me donne rien d'avoir une passe à l'année. Fait qu'on va chercher une passe pour la journée, puis on part jusqu'à temps que le jour tombe. Là. Mais nous autres, on voulait faire une journée en allant un peu dans les sentiers. On s'est organisé avec la fédération pour t'avoir une passe pour l'année. Ah! Oui, Ken, notre Ken national, tiens, la passe pour l'année. Aïe! Donc, tu vas pouvoir goûter au sentier, voir ce que ces gens-là font. Ça travaille fort dans les sentiers. C'est plein de bénévoles qui font en sorte que, écoute, il y a des sentiers partout. Mais merci. Donc, va essayer ça un peu. Wow! Cool. Mon collant! C'est malheureusement la fin de l'émission, mais quelle belle journée on a passée. Merci! Ça fait plaisir. C'est le fun. Hein? C'est super plaisir. Oui, c'était le fun. Une belle gang aussi, des bons amis. Oui, t'es bien entouré, c'est le fun. Maison, c'est mon refuge ici, puis c'est tout du bon monde. T'sais. En tout cas, merci pour ton accueil. Merci de partager ton petit domaine avec nous. C'est bien apprécié. Ça me fait plaisir, Eric. Là, je t'invite à venir à Motomag cet été pour essayer un Spider. Oh oui, j'aimerais ça! On va être malade. J'aime tellement cette moto-là. On va t'organiser. Moi, ben, je t'invite à venir manger. Ah, parfait. C'est un date. Yes. Merci. Let's go.